Ok, le jeu commence direct? Waouh! Bonjour! Voyons la tutelle des ambassadeurs partenaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand la RDA a découvert Pandora, elle... On ne peut pas découvrir quelque chose qui a toujours été là. Ahari, on dit découvert parce que ce sont les premiers humains à être venus ici. Qu'est-ce que... Quand nous sommes arrivés, nous avons compris qu'il était possible de créer des relations bénéfiques avec les peuples autochtones. Nous avons créé des avatars pour aider à forger des relations avec les Na'vi. Et quand vous finirez vos études, votre rôle en tant qu'ambassadeur sera d'entrer en contact avec les clans Na'vi. Oh, je peux bouger la caméra! À créer ces alliances. Wesh, qui c'est qui chante là? Quelqu'un peut me dire comment on pourrait s'y prendre? On peut pas la fermer, elle. Ah, allez. La RDA peut partager des médicaments, des technologies et des connaissances. C'est exactement ça, Daylan. Voilà, c'est les méchants du jeu, ça. Directeur Mercer, nous avons étudié la mission de TAP, comme vous l'avez demandé. Pourquoi les Na'vi voudraient des alliances avec vous? Ah, oui. Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Dès le début, on va se faire buter. Tu n'as pas idée de ce à quoi ressemble la vie dehors, Harry. C'est sauvage. On vous a trouvé enfant. Quand votre clan vous a abandonné. Ouais. On vous a donné un avenir. Ou quand vous les avez butés, quoi. Un objectif. Notre clan ne nous aurait jamais abandonné. Voilà. Dealer. Oh, c'est ma sœur. Je t'ai laissé garder cette babiole dégueulasse à la seule condition qu'elle reste dans ta couchette. Ah, c'est clairement les méchants. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est dingue ou quoi? C'était à notre mère. Pas une babiole dégueulasse. Tu ne sais même pas ce qu'est un collier de vie. Harry? Oh la honte, c'est une gamine qui te soulève. Ce n'est qu'une corde cassée. Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu dois accepter que ta mère t'a abandonné. Menteur. Elle va le patater, non? Y'a pas la meuf armée derrière? Regardez comme elle en panique, elle. Laissez-moi regarder à gauche vite fait, pour voir si elle a une arme. Vous connaissez les règles. Pas de contact physique. Vous êtes privé de dîner. Directeur, s'il vous plaît. Salut Hulk. Manor? Manor, t'es ainsi. Angan Nahu, Tam. Je comprends rien, je vous jure. Tu n'es pas supposé parler notre langue dans la base. Comment se battre? Quand tu cries la nuit, Taylan, tu cries en Na'vi. Oh oui, battez-vous! Allez, allez! Pourquoi tu prends toujours le parti de Mercer? On dirait un singe. Le directeur Mercer nous a sauvés. Ouais, vous êtes des singes, des chats, faut choisir. Taylan, ils nous ont arrachés à nos familles. Nous ne sommes que des pousses sans racines. On ne se souvient même pas d'où l'on vient. Mais on peut quand même grandir. Ici, sur Pandora. Ah, je ne me souviens même plus des paroles du chant de notre clan. Nous n'avons pas besoin des paroles pour le chanter. Oh non, ils vont pas s'y remettre. Oh, à l'aide. On ne peut pas les laisser nous arracher tout ce qui est Na'vi. On doit faire quelque chose avant qu'il soit trop tard. Nous sommes plus forts qu'eux maintenant. Je l'ai senti en classe avec Mercer. Oui, parce que tu lui as chopé le bras. On peut tout arrêter maintenant. Ils vont tous clamser à cause d'elle. J'ai une idée. Ouais, il a disparu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se passe quoi, là? Bon travail, Daylan. On doit se dépêcher. Il ne nous reste que quelques minutes à respirer leur air avant d'avoir besoin de masques. Ok. On les a trouvés. Et voilà, ils vont finir dans la soupe. Vous me décevez beaucoup. Nous vous avons offert cette vie privilégiée. Et vous voulez tout gâcher. On ne veut pas de ta vie privilégiée. Ferme-la, s'il te plaît, on va Notre mourir. Notre place est dehors. Non, vous nous appartenez. Oh. Vous vous rendez compte de tout ce que nous avons investi pour vous? Nous vous avons sauvés. Donner un foyer, une identité. Nous avons déjà une identité. Nous sommes Na'vi. Non!
Putain, mais pas la fermer. Vous êtes ce que j'ai fait de vous. Non, on va pas chanter. Oh lo 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 lo. Bon mec, fais ton truc, moi je te jure, je dis rien. Arrêtez de chanter. Oh non, c'est cringe. Je suis pas avec eux, s'il vous plaît. Je vous ai dit de vous taire, arrêtez de chanter. Oh mon dieu, Alain, qu'est-ce qui se passe? Allez, on rentre chez nous. Auna kane kelku. Mais tu crois que t'es où là? T'es en prison, meuf? Je préviens, Harry, pas un pas de plus. Ah bah, c'est rebuté. Ça, on m'a Elan. Wanki va ne kelku. Arrête-toi! Oh, il va la buter. Oh! Ah, mais c'était sûr! C'était sûr! Aïe 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 aïe. Ok. Bon, ça y est, on a compris. 8 ans plus tard, le Toruk Makto et les Umatikaya se soulèvent contre la RDA. Wesh, on arrive au milieu d'une série ou... Il est où le début de l'histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, nous allons reparler de l'économie terrestre et de la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi on doit utiliser des armes humaines? Oh, ils ont déjà grandi, ils ont bien grandi. Pandora est un endroit très dangereux. Et on n'a presque pas vu Pandora. Comment on peut savoir contre quoi on se protège? Nortez, je dois vous parler maintenant. Ok. Les ordres viennent directement de Hell's Gate. On doit évacuer Pandora. Allez vite prendre vos affaires avant que ce soit la panique. Quoi? On a perdu Pandora. Jake Sully, un ancien pilote d'Avatar, s'est retourné contre nous. Il a retourné les navis contre nous. On aurait dû se méfier d'eux depuis le début. Oh, il parle du film! Récupérez vos affaires et retournez dans votre corps. Maintenant, les marionnettes, c'est terminé. Très bien, les enfants, rassemblez vos affaires. Et Cortez, je m'en occupe. Vous devez y aller. Putain, la caméra elle tremble, c'est trop chiant en fait. Vous savez quoi faire? Oh, ils vont buter les petits. Oh, ils vont buter les petits. Vous le voyez venir? Oh lolo lolo. Mais cachez-vous! Mais cachez-vous! Wesh wesh! Suivez-moi! Ok. Vite. Oh, elle est arrivée comme c'est une girafe. Allez. Ok, donc là c'est là où je joue et c'est là où la caméra arrête de trembler pour rien. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu seras en sécurité. Oh mon dieu. Personne va nous abandonner. Il n'a plus besoin de nous. Non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, cachez-vous vite. Laissez-nous partir. On peut leur échapper. S'enfuir vers Pandora. Vous ne ferez pas un pas dehors. Il y a des soldats partout. C'est notre chance d'être libre. C'est votre seule chance de survivre. Mais, et vous? Ok. Vous allez dormir. Pendant un petit moment. Ce ne sera pas long, d'accord? Et là, on se réveille dans 200 ans. Ok. Bon, vous m'oubliez pas, hein? Ok. Hello? Bon, ça, il y aura des cinématiques jusqu'à, quoi, jusqu'à quelle heure, là? Ça y est, on peut jouer? Ah, c'est moi! Oh, c'est moi! Ah ok, et donc là maintenant le jeu, maintenant il me demande de savoir à quoi je ressemble. C'était peut-être au début qu'il fallait le... Non, bon ok. Et en vrai j'ai même pas envie de la changer. Ils se ressemblent tous. Oh, c'est légèrement raciste ce que je viens de dire là. Ça c'est pas mal. Non mais regardez, les couleurs du cheveu. On a rien de dispo, tu peux te tourner? Non on peut pas se tourner. Ah mais ça marche pas en fait. Ah ouais, je peux pas être un homme. Très bien, aux femmes de prendre le pouvoir. Eh, de toute façon, eh, les gars, ça n'a pas de sens. À la base, c'est ma sœur qui est morte. Allez, on reste une femme. Me dites pas qu'on va encore repartir sur des cinématiques, s'il vous plaît. Genre là, une demi-heure de cinématique, ça suffit, quoi. Oh lolo lolo lolo. Je pensais vous avoir perdu. Que c'était fini. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que t'as dormi longtemps. Pendant très très longtemps. Walla tikame. Il a dit Walla. Tu n'as pas le temps de l'examiner. Ceux qui peuvent marcher, ils marchent. Les autres restent ici. Super. La RDA est partie, non? Et tu nous as laissés ici.
Ceux qui viennent du ciel sont revenus, Sarentu. Sarentu. On ne m'avait jamais appelé comme ça. C'est bien ton clan. Un clan fort et brave. On pensait vous avoir perdu, mais cette marcheuse de rêve vous avait seulement enfermé dans une boîte. Je t'expliquerai ça plus tard. Mais pour l'instant, reste tranquille, ton corps va se réveiller. Ouais, mais j'aimerais bien me lever, ça fait longtemps que... Ah, chargement, peut-être que je vais vraiment... Oh mon dieu ! C'est vraiment moi ! Est-ce que tout le monde va bien ? La Sensi, par contre... Oh là là. Nor et Teylan aussi. Nous sommes sortis ! Enfin ! Ça arrive pour de vrai ! Débloqué, fusil d'assaut ! Sortir, ensemble ! Tu l'as déjà dit. Pourquoi tout paraît si différent ici ? Débloqué, arc long. La RDA approche, vous bavarderez plus tard. C'est qui, lui ? Tu auras besoin de toutes tes forces. Regardez la taille qu'il a ! Il est tout petit ! Ah ouais, d'accord, c'est qu'en fait on a grandi. Et ça, c'est la vraie taille des humains. Oh, j'ai cru que c'était un enfant, lui. Hein ? Vache, qu'est-ce que t'as, frère ? Tu regardes trop mal. Oh ouais. Ouais, je regardais. Ça, c'est notre taille, et ça, c'est la taille d'une vraie porte. Wouah ! Ça va, frère ? Il me calcule même pas. Bonjour ! Wouah, regardez ma taille. On peut rien loot. Ok. Je suis pas encore capable de dire si le jeu est vraiment beau. Bonjour. Wouah, oh non, la taille. Oh, si ça c'est pas du loot. Fouillez. Ration de la RDA, rassis. Ouais, mais je suis un singe, je vais tout manger. Manger pour restaurer votre énergie. Cela permet à la santé de se régénérer. Ah, maintenir A pour ouvrir la roue de nourriture et maintenir F pour consommer. La barre bleue, c'est la vie. Et la barre rouge, c'est quoi? C'est l'énergie. Ok, et là, je mange, comme ça. Ah oui, c'est mieux. Ok. Et là, je peux courir ou pas? Oh. La RDA approche. On peut y aller. Ok, j'arrive. Tout le monde là. Oh, les bâtards, ils vont partir sans moi. Oh non, pas une cinématique, non. Laissez-moi jouer. Oh. Genre, ils vont pas l'avoir. Ils sont vivants. Genre là, il me voit pas là. Ah ouais. Cortez. Elle a toujours pensé qu'on faisait ça pour le plaisir et pas pour la guerre. Oh. On s'en débarrasse. Comment ça? Je vais pas courir devant eux quand même, si? Mais elle est bête ou quoi? Waouh! Ok. Ok, bonne journée. Y'a pas un scanner là pour voir... Oh, clic droit, ça zoom. Y'a pas de loot là? Oh! Oh, stylé! Oh, stylé! Oh! Ok, les mécaniques. Non! Ok. Oh, j'ai appuyé sur paramètres. Oh, y'a des mecs qui sont passés là. Je suis pas là. Pour sauter plus haut et plus loin, maintenez espace pour effectuer un saut chargé. Ok. Oh oui, oui monsieur. Stylé. V frappé. Waouh. Oh le yep. Le yep en métal. Ça se loot ça. Ok. Wow. Oh, ça slide de loin hein. Oh les patates. Oh, oh mon dieu. Ok. Non non non. Ok. Oh. Ouais, mais ils sont partout. Oh. Ok. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Oh. Par ici. Est-ce que ça va? Eh, vous m'avez laissé tout seul. Comment je viens? Tiens, prends ça. Une radio? Mets ça dans ton oreille. Il est réglé sur notre fréquence. Ah ouais, j'ai cru que t'allais dire mets ça dans ton... T'as pas chômé. Ailleurs, quoi. Ils te cherchaient, toi. Mais ils m'ont trouvé. Quel est ton nom? Soklek, l'un des derniers de mon clan. J'aimerais éviter que le tien connaisse le même sort. Continue, mais en silence. Allez,
Ok. Oh, je peux mettre des patates maintenant. Ça souffle ça? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Oui. Il y a des soldats partout. Ça va aller. Respire. Cherche une issue. Alors je sais pas vous, mais je trouve pas le jeu très beau, hein. Wesh. Ah, je crois que j'essaie de me lever et du coup je tape le mur. C'est long. Oh, il y a des gens au-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Des Transformers. Oh, il y en a un autre là. Oh, ouais, je me souviens pas de ça. Oh, bon, la dernière fois que j'ai vu un film Avatar, c'était il y a 6 ans, il y a 7 ans. Peut-être même 10. Est-ce que tu m'entends? Wow! Wesh, wesh, il m'écrase carrément! Je te tiens. Vous avez quoi, Harding? Bon. Pas la peine de s'inquiéter à son sujet. C'était sa sœur, la véritable rebelle de la famille. Assassin. Et regarde où ça l'a mené. Ok. Quel dommage. Ils auraient pu nous être utiles. Mais nous n'avons plus d'ambassadeur, Navi. Seulement des obstacles. Non, elle va me buter. Oh. Ok, le mec est venu au calque. Merci beaucoup. Ah. Oh non, on va pas recommencer. C'est bon, faites-nous sortir. Fuir la tape, oui, ben je veux bien moi. Ok, j'ai compris. Voilà, tu crois qu'on avait jamais joué à Avatar avant ça? Non, je rigole jamais. Sortlek, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va, t'inquiète, il va bien. C'est pas passé loin. Il est juste en combat avec des Transformers, Sortlek. T'inquiète. Ok, bon, on va speedrun un peu parce que là, ils se foutent un peu de notre gueule. On va pas se mentir. Ouh, ça commence à devenir joli. Ok, faites-moi sortir, je veux voir l'extérieur, s'il vous plaît. Allez, c'est bon, on a compris. Bon, je commence à être à l'aise avec le déplacement, là. Oh, la musique a changé. Ça y est, on va sortir. Ça y est, on sort. Oh, la lumière. Wouah. Wouah, stylé. Wouah. Nouvelle quête, Pandora. Et oh, peut-être que les autres ont suivi l'eau. Oh. Oh là là, stylé. Ok, le jeu commence enfin. On peut... Oh, on peut la manger? Nope. Ah non. Cherchez Solek et d'autres survivants, ils ont peut-être suivi le ruisseau. Ah, il faut que je mange maintenant. J'ai plus d'énergie. Pour activer le suivi de quête, appuyez sur A. Bah non du coup, parce que ça ouvre la bouffe. Les touches sont pas bonnes hein. Ils m'ont fait peur. Ok. Oh, c'est pas mal hein. Et on pourrait en faire un vrai jeu de survie en multi hein. Bah ça va, je suis si moche que ça. Ok, par contre... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh! Il m'a pété dessus! Ah! Ah! Ok. Ok, je m'approche plus de ça. Autant me péter dans la bouche. Bonjour. Au revoir. Il y a un passage là. Non, mais attendez, mais il n'y a pas une carte ou quoi? Attendez, on va appuyer sur toutes les touches. Oh oui! Oh lolo lolo! Regardez la taille de la map! Ok. Mais du coup, on n'a pas un objectif? Oh oui! L'objectif est là à droite. C'est par là. Ok, normalement, il devrait y avoir un truc ici. Mais on peut rien récolter? On peut pas vous récolter, vous? Non. Ouais, je sais quoi, c'est un escargot? Oh là, il y a un big monstre ici. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des queues de scorpion. Bonjour? Je serais déjà mort. Hein. Il y a un gros truc là-bas, je sais pas ce que c'est, on va aller voir après. Encore la RDA. Que s'est-il passé? Oh! Nouvel objectif, chercher la station de carburant de la RDA au nord-est du lac. Du bol du teinturier. Y a pas de loot? Oh! Je crois qu'on a un qui s'est fait défoncer. On peut pas récupérer les flèches? Bon, attendez, ça m'intrigue. C'est quoi qu'il y a là-bas? Oh!
Oh, oh. Oh là là, c'est stylé. Oh, ça me rappelle Ark. Ça vous rappelle pas Ark? Oh, en vrai, ça pourrait détrôner Ark, hein. Faites-nous un univers de multijoueur comme ça où on peut dompter des animaux. Mais je vous jure, on se la cogne, hein. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et ça, faut me le dire en commentaire, hein. Il y a un truc au milieu de l'eau. J'ose pas y aller. Là, il y a une plante. Ça se récolte, ça, c'est sûr. Ça se ramasse? Non. Vas-y, c'est quoi ce jeu, frère? Je peux rien ramasser. Oh, attendez, j'ai endurance illimitée, là. Je reconnais. Bon, eh, ça va, vous allez pas me suivre, c'est mon trajet, wesh. Oh, ça, c'est les robots Transformers. Ok, déjà, on peut les détruire. Bah, arrête, genre, soi-disant, avec des arcs. Ah. Il respire plus, lui. Oh, y'a un village, là. What? Qu'est-ce que c'est? Un trampoline? Wow, comment j'ai su? On peut grimper aux arbres? Attendez, attendez. Oh, let's go! Oh là là, je suis trop chaud. Ça y est, le jeu est fait pour moi. Et là, y'a des trucs à récolter, là. Bonjour. Ça manque d'une touche où on peut localiser, scanner. Ok, je peux pas monter par là, mais peut-être par là. Par ici. Près de l'arbre. T'es où? Mais il est où? Je suis aveugle. Oh. Oh oui, du loup. Par ici. Attends deux secondes. On sait jamais, tu m'embarques dans une cinématique. Oh! Conteneur de pièces détachées. Ok. Je sais pas quoi ça sert. Encore une caisse. Les plaques usinées accordent différents effets qui peuvent être utiles en combat. Ok, mais c'est comme tous les jeux de survie en fait. Pièces détachées. Ok, je sais pas à quoi ça me sert, on verra plus tard. Bon, ça va, j'ai compris, ça y est, c'est bon, j'arrive. Je sais même pas où t'es, je te vois pas. Je suis là. Oh, il est là. Et elle est une cinématique. Tu vois enfin de quoi ils t'ont privé. Oh non. Ton chez-toi. Tu m'as sauvé. Tu n'es pas en état de te battre. On va prendre ton arc. Laisse-moi t'aider cette fois-ci. C'est tellement facile de savoir ce qui se passe. Ok. Est-ce que je vais apprendre à chasser? Oh, il te faut oui. Des flèches. Le bois des broussailles est souple. Tu en trouveras. Ok. Fais confiance à tes sens. Mes sens? Les humains ont besoin de lumière, mais tu es Na'vi. Perçois la forêt comme moi. Bah, j'ai besoin de lumière aussi. Oh! Utilisez le sens des Na'vi. Tu oh, vois, c'est ça que je cherchais! Il y a un scanner! Ici, chez toi. La forêt te parlera, si tu l'acceptes. Laisse okay. Tes sens te guider. Ok, utilisez le sens des Na'vi et inspectez les plantes des animaux et autres éléments pour avoir plus d'informations. Ok? Donc il faut se coller à quelque chose. Ouais mais... Ça, ça marche pas. Oh, le nouveau menu. Ok, donc là j'ai un nouveau menu où je peux swap des armes à la nourriture. Super. Oh désolé, j'avais pas vu, je t'ai écrasé. Bah ouais mais ça marche. Mais ça marche pas les gars. Oh. Ok. Récupérer. C'est bon, j'en ai. Ah, oh, c'est ça. Non, toi aussi tu peux fabriquer des flèches acérées pour percer le métal humain. Et t'avais pas dit du bois dans les arbres? Ouvrez la roue des arbres maintenant. Ah, sélectionnez l'arc long et maintenez F pour fabriquer des flèches. Ok. Oh. Tu es paré. Nous devons partir d'ici. Maintenez T pour engainer. Tu peux bouger? Ah oh, oui, je peux ranger l'arc et la sortir. Dapophète. J'ai besoin d'une cosse de Dapophète. Quoi? Je vais te trouver ça. Ne t'en fais pas. Sur le rivage, il pousse près de l'eau. Chercher une cosse de Dapophète? Mais frérot, je peux jouer? Il y a un lac en proximité. Ouvrez la map. Ok, donc maintenant, si j'ouvre la map. Ah ouais, c'est ça. Oh, je peux pinguer ou pas? Ok, ça c'est la quête. Et là, il y a un autre truc. Mais comment on ping? Bon, je reviens. Il y a un lac tout près, c'est le lac d'en bas. J'ai pas compris le truc. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
Non, partez pas. À tous les coups, je vais devoir en attaquer. Bon, je vais aller au lac, on verra plus tard. Oh, vous avez vu? On voit encore un tracé. Oh. Inspecter. Pousse griffue. Une grande pousse dotée d'un immense amas de fleurs à pétales bleus dont le noyau fait penser à un cactus épineux. En tout cas, ça pique pas. Oh. C'était là-bas. Ok, c'est là-bas. Ok, je commence à comprendre. En fait, le sens, notre sens, il fonctionne pour trouver des éléments et pour suivre les quêtes, mais pour les quêtes, faut être quand même pas très loin. Elle est super lente. Quoi ? Des soldats. Ah ouais ? Merde. Oh oui, on peut scanner la zone. Oh ? C'est quoi ça ? Monter ? Wow, c'est stylé. Allez, n'ayez pas peur. Maintenez visé. Voilà, dans ta gueule. Dans ta gueule. Oh la 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 la. Oh le monstre. Wow. Qu'est-ce que c'est? On peut les loot ou pas? Merde, ils sont morts où? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me donnent avec cette taille? Inspecter. Les fruits du dafoiné. Oh, c'est ça! C'est ça qu'il faut! Ont de grandes propriétés curatives. Bah, c'est ça ou j'ai menti? J'ai inventé le mot? Solek, non, c'est ça. J'ai trouvé le dapophète. Les cosses dafoiné sont utilisées pour restaurer votre santé. Appuyez sur W pour vous soigner rapidement. Bah, ça marche pas. Ok. Oh mon dieu! Je rigole! Pardon! J'arrête! Oh, ils vont jamais me lâcher? Oh, je suis dans. Bon, on va continuer l'histoire, on verra plus tard. Ok. What? Oh merde. Utilisez vos sens Navi au combat vous permet de repérer les ennemis et leurs points faibles. Non mais jamais je détruis ça. Oh, ok, j'ai compris. Je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, je l'ai eu. Ok, en fait j'ai un Wallach. Oh, il a bougé le bâtard. 5 sur 5. Merde, ils m'ont vu. Dans ta gueule. Montrez-vous. Let's go. Oh. Je sais que t'es là. Ouais ouais, bah viens. Oh la 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 la, le headshot. Non mais je suis trop chaud hein. Tu apprends vite. Ouais, t'inquiète, je t'apprendrai moi aussi un jour. Laisse-moi récupérer ça. Que je puisse faire mes flèches après. Ok. Donc là, appuyez sur F. Et on en fabrique. Super. Oh, il est pas mal le jeu en vrai, hein. C'est comme ça qu'on se soigne. Oh là, ça ressemble plus à un suppositoire que... Ok. Mange, mange. Oh, il s'est remis l'épaule tout seul. Oh, le bonhomme. Tu n'as pas de collier de vie. Ouais, parce que j'avais celui de ma mère, mais ils me l'ont volé. On doit corriger ça. Mais genre quoi, il est guéri? Il a mangé un pamplemousse, ça y est. Et je fais quoi maintenant? Faire. Tu dois redécouvrir tes racines, Sarento. Et avant tout, rejoindre la résistance, mais prends garde. Ouais. Ces humains partagent nos ennemis, mais nous sommes différents. Non, non, non. Ils sont trop proches. Va, je te retrouverai au camp vers la cascade. Mais comment ça? Quel camp? Attends. Mais il est au courant que je connais pas, que c'est la première fois que je sors? Je viens d'avoir 18 ans.
le droit de sortir de la maison. Sens Navi, utilisez vos sens Navi pour repérer, vous diriger vers les emplacements de quêtes. Ah oui, d'accord. Là, le sens Navi, il s'est développé de ouf. Ok. Il faut monter par là-bas. Oh, je sais pas comment on va monter. Nouvelle entrée sur les connaissances du monde. Il se trouve au sommet de la cascade, trouver un moyen de monter. Eh ben écoute, on va se débrouiller. Hein. J'ai combien de flèches? 20 sur 20. Ah bah on aurait dit une note, t'as les contrôles. Ok. Oh, j'espère les triceratops ils sont pas là encore. Ils vont me défoncer. Oh, ils sont là-bas. Vous pensez ils m'ont oublié? Aïe. Bonjour. La cause de cette plante est remplie de gaz et explose si on la touche ou qu'on la blesse. Et hop. Wouah. Bonjour. Wouah. Non, 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 non. Je recule, je recule, je recule, je m'en vais, je m'en vais. Oui, oui, c'est bon, je me casse. Ok, ok, pardon. Ok, ils sont amicaux mais pas amicaux. Non, dommage. Eh, c'est un mélange. On dirait pas un mélange entre un triceratops et un escargot. Oh. Mais laissez-moi vous voir. Ok, je vous ai vu. Je vous ai vu, je me casse, je me casse, je me casse, je me casse. Bonjour, vous pouvez péter, c'est maintenant qu'il faut péter, hein. Ouais, c'est ça, barrez-vous, ouais. Waouh. Eh, y'a un mâle et une femelle, hein. Oh. C'est quoi ça? Un insecte coloré doté d'une longue queue et de plusieurs ailes. Ouais, mais super, mais ça sert à rien. La cascade. La base de la résistance doit être là-haut. Bon, bah j'ai compris comment monter. Oh, des petites caisses, là. Non, mais qu'est-ce que tu me fais? Voilà, je voulais cliquer, là. Oh, attendez, il y a un combo à faire. De loin, je peux appuyer, ça me fait sauter. Ah ouais. Ah. Ah. Ok. Oh, il est trop mignon, mais à mon avis, je suis obligé de le buter au bout d'un moment. T'as de la chance que j'ai un cœur. Ah, faut laisser son doigt appuyer. Utilisez vos sens Navi pour trouver, inspecter les... Bon, ça va, vous allez pas me le répéter à chaque fois. Bon. Pièces détachées. Non, mais les pièces détachées, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Hein. Oh non! Ils ont cassé le truc! Je peux grimper comme ça? Eh merde. Tirez sur une liane grimpante fermée pour libérer la liane! Wouah, ok, super! Génial. Hop! Le jeu est vraiment incroyable. Le jeu est stylé, hein, vraiment. Je peux récolter ça? Non. Ok, là c'est du speedrun. C'est juste du parcours. Les plantes peureuses. Allez, barrez-vous. Oh. Ah, je crois qu'il fallait sauter en face. Ouais, ok. Eh, en vrai, l'endurance, ça va, hein. Heureusement, ils ont pas mis d'une endurance chiante. Est-ce que je peux m'approcher à croupi d'elle? Ah, ils m'ont vu là. Bonjour. Non, revenez. Oh, elle est relou. Y'a rien à péter là. Ah, mais y'a un campement juste là. C'est super beau. Ah, un campement avec personne. Ah ouais, non, il y a une plus grosse base là-bas. Oh mon dieu. Oh, la base. Quartier général de la résistance. Eh, je vous jure. Oh, je l'ai eu. Oh, ils ont des PV de ouf. Ok, ça, c'est une barre de PV. Oh. Bonjour les enfants. D'accord, je me casse. Pièces détachées. Eh, j'espère, les pièces détachées, c'est une ressource que tu peux donner au mec et en échange, il te donne des trucs. Biomimétique. Oh. Exactement. Comme la voile dorsale des colosses soniques. La membrane d'ouverture qui leur permet de respirer. Blindage de nacelle, filtrage d'air, système de refroidissement.
On peut en faire tellement de choses. Ouais, je suis un radiateur, moi. Parle de moi, là. Non ? Bon, allez, go. Wesh ! Ah, il sait pas ouvrir une porte. Bonjour ? Wesh, c'est qui, elle ? Ouais, je vous entends pas ! On n'entend rien du tout, Priya. Ouais, c'est ce que j'ai dit juste avant. Mais ouvre la porte ! Ok. Désolée, le filtre s'est coincé. Jean pense avoir compris comment régler ça. C'est fou, une nouvelle recrue. Stylé. Je suis trop contente de te voir parce que bon, vous n'êtes plus très nombreux. Oh pardon, je suis désolée. Bienvenue au QG de la Résistance. Ok. Bizarre un peu, non ? Ouais, je sais. Oel Nyati Kamiye. Ça va, elle essaye, wesh. Quoi ? Non mais c'est bien, c'est bon. Y'a pas de problème, t'inquiète. Ok, oh, y'a trop de choses à récupérer. Voilà. Approche. Oui, mais attends deux secondes. Des grenades. Ça s'est bien passé. Oh. Il t'aime bien. Ce qui reste. Tout va bien. Oh, ça s'ouvre. Tire un bon coup. Oh. Appuyez sur G pour lancer une grenade incapacitante. Utilise-les pour immobiliser les ennemis mécaniques. Ouais, je remodifie les phrases. En vrai. Hein. Y'a quoi là ? Casse sulfureuse. Vous pouvez maintenant fabriquer des munitions spéciales, ouvrir la roue des armes. Ok ? Bah non, tu m'as menti là. Oh d'accord, les J'aurais gars ! J'aurais dû demander à Danny de m'apprendre à tenir une arme. Oh ! Comment je les sélectionne ? Pour changer de type de munitions, appuyez sur C. Ah ouais. Ok, donc là on a. Oh là là, des flèches explosives ! Regardez, y'a des grenades au bout de mon arme ! Les autres clans savent ce qui est arrivé à Mercer. Oh, j'ai des yep. Oh, regardez. Il me manque un doigt, là. Ok. Super. Y'a rien à péta sur vous. Danny aurait été fier qu'on arrête ce forage. Je le sais. Nous n'aurons pas de repos tant que la RDA foulera les terres de Pandora. Oh, incroyable QG, on dirait une mini-ville. Ça va, mec? Propose pas à boire. Parler à Alma et Taylan. Eh, hey, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le jeu là. Comment il s'appelle? En vrai, ça me rappelle le jeu Dying Light avec des marchands, des villes et tout. Bonjour, c'est à toi qu'il faut que je parle? Pas du tout. Oh, c'est eux. J'espère que les clans continueront de nous rendre visite. Oui. Je suis si content de te voir. Ouais, on a aussi entendu les tirs et Alma nous a dit de nous enfuir. Tu vas bien? Bah ouais, écoute, vous m'avez pas attendu quoi. Excuse-moi. Solek m'a sauvé. Où sont les autres? Rignella et Nor sont sains et saufs. Mais ils ont voulu rester dehors. Ils ne devraient pas. C'est pas dangereux? Il est trop chelou. Ne t'inquiète pas, vous êtes en sécurité. C'est le principal. Qu'est-ce qui s'est passé? La tape est en ruine. Mercer a ordonné sa destruction quand on l'a évacué. Ça fait si longtemps que ça? J'ai l'impression que vous êtes parti hier. C'est normal que tu aies cette impression. Mais ça fait presque 16 ans. Quoi? 16 ans ? 16 ans, on est resté endormi ! Waouh ! C'est pas possible ! Vous devez comprendre. Vous revoir tous aujourd'hui, vous n'avez pas idée de la joie que ça me procure. Ah ouais, 16 ans... Je n'ai pas su vous protéger. Tu m'étonnes qu'on t'ait manqué. Je ne ferai pas la même erreur, c'est promis. Écoute, prends ton temps. Elle a une bête de coupe ! Raj va s'occuper de toi, Taylan connaît bien les lieux. Tu es chez toi, ici. Ok. Tu verras. Oh la vache flippante. Ok, donc ça c'est bon, bienvenue dans la Résistance. Accompagnez Taylan pour rejoindre Rajinder dans le quartier de vie. Accompagnez Taylan. C'est toi Taylan? Vas-y. 16 ans. Ça paraît irréel. Ouais, je ne sais pas. Mais avance. Je ne sais pas quoi en penser. Alma a raison. Ah, c'est lui. Nous pouvons vivre ici. Je le sens. C'est plutôt cool, non? En vrai, c'est stylé. Moi j'aime bien. Plein de matos. Juste, on marche vite de ouf. Ouais, t'es mal à taille qu'ils ont. Mais elle semble bien occupée avec les navis secourus. Et tu crois pas que c'est eux qui ont le plus besoin de ses conseils en ce moment? Mais attends, mais il parle là-bas. Mais pourquoi je t'accompagne? J'aurais pu... Il est là-bas. Oh, ça doit être le marchand, lui. C'est lui, Raj? Il est plutôt cool. Bonjour. Je crois que les gens commencent à s'habituer à notre présence. En même temps, ils sont chez nous. Hein. C'est ça, Rentu. Vous devez être Raj? Non, c'est Rajinder. Oh. Désolé, je... Alma m'a dit... Et là, il va rigoler. Je connais Alma. Elle m'appelle Raj.
Mais toi, je te connais pas. Waouh, super. Je suis nouvelle. Ah, c'est une blague. Relax, nouvelle. Trop drôle. Je savais que tu venais. Tu as dormi longtemps. Tu dois être bien reposée. Mm-hmm. J'ai des vêtements propres pour vous tous. Alma a oublié de me dire que tu manquais aussi d'humour. Frérot, c'est ton humour, il est chelou. Bah attends, à mon avis... Oh, il doit vendre des armures et tout. Oui, il vend des armures. Vas-y, montre. Tu as besoin d'une nouvelle tenue? Oh, bonus de santé. Mais c'est pas que des tenues, en fait. Cadeau. Oh, super. Merci. Et là, bonus de santé 35, résistance aux attaques à distance. Ah ouais. Oh, les gars. Oh, les gars. Harnais de chercheur. Oh, booster de signal du CID. Portée de piratage du CID augmentée de 3%. Oh, on va pirater. Et ça, c'est quoi? Sacoche de Rajinder. Furtivité. Oh, les gars, regardez. C'est ça, la monnaie. C'est ça qui nous permet d'acheter. Oh, super. Est-ce que j'économise ou est-ce que j'achète ça? En vrai, furtivité, ça peut être cool, non? Oh, j'achète rien, on va économiser. C'est important, le style. Ouais, c'est clair. On peut faire du troc. Tu as besoin d'une nouvelle tenue? Il y a des plans. Rien n'est disponible pour l'instant. Ok. Oh, j'en ai que 3. Là, ça fait pitié. 1. Votre puissance de combat augmente à mesure que vous fabriquez et que vous trouvez de meilleures armes et équipements. Les quêtes, les ennemis, la faune et la flore disposent de leur propre puissance. Continuez d'améliorer votre puissance pour égaler ou surpasser la leur. Ah ouais. Donc en fait, là, c'est vraiment... C'est important, le style. Bon, tu savais, tu l'as déjà dit. On a compris. Ah ouais, donc vraiment, on est dans un monde ouvert et je dois juste évoluer et monter de niveau constamment. Merde, je me suis trompé. Ok, comment j'équipe puissance de combat 11? Mais je croyais que c'était 1. Bah non, mais je suis 1. Mais ils sont cons ou quoi? Comment je m'équipe de mes nouveaux habits? Oh oui! Ah ouais, j'étais bien habillé, ils me remettent en mode indigène quoi. Ah ouais. Ok. Oh, je suis passé level 2! Oh, let's go! Mode, poignée d'arc. Ah ok, on va pouvoir customiser son arc. Ah, par contre les yep, je crois qu'on peut rien lui faire. Ok, merci. Parlez à Rajinder. Encore? Vous... Je peux vous donner quelque chose en échange? C'est gratuit. Pour cette fois. Circonstances particulières, bien sûr. Mais frère, t'as volé des habits chez moi, en fait. Ce qui nous tombe sous la main. Voilà. Si tu trouves quelque chose de bien, dis-le moi. Ok. Des vêtements Navi. De nouvelles recettes apprises. Oh. Je crois que je les aime bien. Chercher des pièces détachées. Je veux garder ma casquette. Et apporter-les aux marchands de la résistance. Et d'autres trucs. Et tester cette technologie. Ouais, mais tu dois absolument rencontrer mais Alex. Mais tu parles c'est en même. C'est une sorte d'inventeur. Tu as vite pris tes marques. Je s'en bats les couilles de ce que je dis. Ouais. Prends soin de toi. Toi aussi. Je suis pas trop méchant. Suivre Taylan vers la maintenance. Ouais, mais Taylan, il est lent. Voilà, c'est là. Taylan, tu peux courir. Oh, c'est là-bas. Oh, c'était bien là. Bonjour. Taylan. Toujours dans les parages. Et t'es venu avec un autre navire? Alex est notre bricoleur. Il fabrique des machines pour la communication, l'exploration... Et foutre le bordel. Si mes réglages sont bons. Oh, la tête qu'il a. Tu vois ça? En Jerry Kenny West. C'est mon SID. C'est quoi? Mon système d'investigation des données. Ah, ok. Il est plutôt cool, hein? Ben non, c'est... Adjir n'aime pas son nom. J'ai fabriqué ça en pensant au Navi. Oh, c'est un gun! Pour exploiter les technos de la RDA. Oh! Je l'ai fait à partir de plusieurs objets. Ok. Et de la tape. Oui, mais on peut l'enlever ou peindre par-dessus, si tu préfères. J'ai demandé plusieurs fois à Alma de l'essayer. Mais on peut le tester, nous. Non? Bah ouais. On pourrait. Ce sera amusant. Je peux en faire un pour chacun de vous. Vas-y, essaie-le. Yes. Ok. Tu avais raison à propos de Taylan. Je suis content de t'avoir écouté. Seed débloqué. Super. Appuyez sur... Pour équiper... What the fuck? Oh, la touche, elle est trop loin. J'espère qu'il va pouvoir repérer le problème de notre système de filtration. Oh, mais je croyais que c'était un gun, mais c'est... Tu vois les fils qui passent sous nos pieds? Ouais. Tu devrais pouvoir les suivre jusqu'au panneau de maintenance. Tu veux essayer? Oh, maintenez, clic gauche pour activer le SID. Mais en fait, c'est un truc pour hacker. Ok, appuyez sur AE pour trouver la bonne fréquence. Ah, ok, on clique et là, AE. Ok. Les données indiquent aussi une panne en haut. Sûrement ce fichu câblage. Tu peux y jeter un œil? Ouais, bien sûr. L'outil devrait se caler sur la fréquence. Ouais, pas de soucis. Facile. Bon, en gros, ce qui s'est passé, A et E, c'était pour grossir et réduire le rond. Merde. 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 Il est où le... Ok, il faut monter. Ça va, il y a des mécaniques intéressantes en vrai. Ok, donc là, on clique gauche. Et maintenant, on essaie de faire un rond à la bonne taille.
Voilà. Plutôt simple. Ça fait un petit boucan quand même, hein. Wow, les tâches de... Il y a encore Alex, des gros... J'ai trouvé la panne, je crois. Un petit piratage et le système se réinitialisera. Tu peux le faire ? Quoi ? Comment ? Oh mon dieu ! What ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a 13 secondes pour faire le jeu, ok ? Oh la 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 la, je crois ok. Que c'est bon. Oh, c'est stylé. Ah, tu vois, c'est utile, non? Je l'ai dit à Alma. Incroyable. Ça, c'est notre avenir. Ok, je reviens. Je dois dire que j'ai hâte de savoir ce que tu en feras. Je suis par où? Ça fait plaisir de voir qu'il peut être utile. Super, t'inquiète. Ouais, je t'ai donné assez d'instructions. Oh. Alma est en train de réunir tout le monde. Tes amis sont toujours dehors, il me semble. Je sais pas. Attends, lui, il m'intrigue, il a un... Oh, retrouvez les Sarentus à l'extérieur du quartier général. La résistance, ils sont abrités près d'un feu. Ok, il faut sortir. Bonjour. Nous n'aurons pas de robot. Oh, tiens, jette un coup d'œil. Oh non, je peux activer... Oh oui, c'est elle pour les arcs. Dégâts au point faible, 5%. Dégâts de la RDA. Ok, ça c'est pour les points faibles et ça c'est pour les humains. Oh. Oh là 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 là. Eh les gars, désolé, mais on va jouer... Ça c'est 5. Flèche empoisonnée. Je sais pas, eh les gars, en vrai j'achèterais bien une arme, hein. Eh vous savez quoi, en commentaire pour l'épisode 2 si on en fait un. Prends bien soin de toi. Vous allez me dire ce que vous préférez, si on joue avec des armes ou s'il y a un atelier. Ou si on joue avec un arc. Oh les gars. Ok, on peut pas l'améliorer parce que j'ai rien. Visiblement je peux améliorer mes trucs mais j'ai pas les matériaux. Ok, on va faire... Ok, c'est par là-bas. Danny aurait été fier qu'on arrête ce forage. Oh, c'est quoi ça? Fouiller? Yes! Stockage de bâtons en polymère! Eh, c'est vrai que j'aurais dû fouiller un max, hein. Oh, il y a de la pluie. Oh, c'est quoi ça? Cuistot! Oh, les gars, mais c'est un vrai RPG, ma parole! Wouah, incroyable! Regardez, c'est trop bien fait! Eh, je suis en train de kiffer, je crois que j'ai envie de le saigner. Bonjour? Oh, c'est sombre ici. Oh non, pas elle. Voilà! Taylan m'a dit que tu t'en étais sorti. Ouais, mais commencez pas à chanter, s'il vous plaît. Oh. Non! J'avais oublié la sensation de la brise sur la peau. Le goût sucré de l'air. Le bonheur de ne plus entendre Mercer et sa culture civilisée. Pourquoi tu m'en es jamais sorti? Je ne me souvenais pas qu'il existait autant de couleurs. Je ne connais même pas leurs noms. Nous les apprendrons. Nous réapprendrons les coutumes Sarentu. Sarentu. Pourquoi Alma ne nous a pas emmenés ici avant? Elle avait pas le droit. C'était peut-être dangereux. Ça l'est toujours. Ah, vous avez pas compris, on était prisonniers, les gars. Peu importe. On est libre. Je veux courir jusqu'à sentir la brûlure dans mes muscles et mes poumons. On pourrait partir. T'en penses quoi? Toi, moi, Ritnella, Taylan. Je vais rester solo. On pourrait vivre comme des Sarentu. Alma nous a fait venir ici pour une bonne raison. Voilà. Elle réunit tout le monde à l'intérieur. Voilà. Elle doit avoir un plan. Alors on reste. Ne reste pas pour elle. Elle veut te contrôler. Il veut quoi, lui? Comme tous les humains. Non, pas tous. Alma a toujours veillé sur nous. Les gens l'aiment ici. Et c'est des gens bien, non? Ils ont l'air sympas. Bah oui, Priya me prête même sa radio. Mais on est libre, là. J'ai l'impression qu'ils veulent nous aider. Bah frérot... Allons voir ce que veut Alma. Peut-être... Peut-être que ça sera sympa. J'en doute fort. Et lui va partir en couille dans l'histoire. Oh, station de cuisine expérimentée avec divers ingrédients. Maintenant ? Continuez. Ok, ok. Ok, j'ai pas lu la suite parce qu'on s'en fout. Oh, fouillé. La lumière est différente ici. Oh, champi farci aux œufs, monsieur ! Après avoir passé autant de temps dans une boîte en métal. Tu peux péter ton assiette ? Au moins ce soir, nous dormirons sous les étoiles. Comme nos anciens. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oh ! Oh les gars, j'y crois pas. Ils nous ont remis un coiffeur au cas où on veut changer de gueule dans le jeu. Ça, c'est super bien pensé. Ça, c'est un gros GG. Et là? Qu'est-ce que c'est? C'est un truc de recette? D'accord, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ok. Eh ben on y retourne, hein. Pas toutes, hein. C'est quoi ça? Oh d'accord, il y a une station pour modifier les équipements dehors. Oh, il y a une caisse là.
Ok. Bon, là, bon, maintenant les pièces détachées ça m'intéresse de ouf. Faudrait peut-être m'en donner un petit peu là. Oh. Faut attendre. Ils font quoi là-bas? Ok. Bon, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'épisode 1 d'Avatar Frontier of Pandora. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si je vais en faire une série, mais je vous avoue que là, je suis ultra chaud. Le jeu me tente de ouf. Je sais pas si j'aurai le temps de la finir, mais pourquoi pas faire quelques épisodes ensemble? Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes chaud, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Vous me dites en commentaire si vous voulez qu'on fasse un épisode 2. Si vous avez kiffé, lâchez un like. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Ah, ils sont vraiment chelous.